Le peuple Koyaka, originaire du Ouro-Dougou, veut faire de cette région le fer de lance du riche patrimoine culturel ivoirien. À cet effet, cette fin d'année a été marquée par la première édition du Festival culturel et artistique du Ouro-Dougou, tenu à Séguéla, son chef-lieu de région. Ce rendez-vous culturel par excellence a réuni sur la même scène des troupes telles que le Goli de Bendekwasikro en pays Baoulé, le Zaouli de Boiflé en pays Gouro, le Boloï de Waragnéré, la fierté de l'allié Sénoufo, et bien d'autres troupes qui ont égayé le nombreux public avec des pas de danse et des chorégraphies hors du commun. Les initiateurs de ce festival, à savoir le maire de Séguéla, Diomandé Lansiné, et le parrain Issiaka Fofana, DG de la LONACI et par ailleurs premier vice-président du conseil régional du Ouro-Dougou, apprécient l'intérêt que la population accorde à ce festival. C'est le genre de choses que nous devons faire pour égayer la population. Et Dieu merci, il n'y a pas eu d'incident. Une très belle fête, nous sommes dans l'allégresse. Ce n'est pas seulement les danses du terroir qui ont presté, mais nous avons fait venir des danses ailleurs pour dire que d'abord, un, à notre niveau, nous avons un patrimoine assez riche au plan culturel, mais également inviter des frères d'ailleurs pour que Séguéla se présente comme un carrefour culturel. Au-delà de la réussite de ce premier festival culturel et artistique du Ouro-Dougou, il est à noter l'unité des cadres et des élus qui ont compris que la culture peut être la porte d'entrée du développement dans leur région.